Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors une fois n'est pas coutume, on se retrouve ici comme je vous l'avais promis dans le garage tout simplement pour regarder la nouvelle caserne. Alors on peut voir quoi? On peut voir tous nos équipages. Déjà, on peut voir un petit onglet ici pendant 88 jours. Normalement, ça ne supprime que les bonhommes. Lui, j'aimerais quand même le garder. Est-ce qu'on peut congédier? Non, on va pas le congédier. Lui aussi, j'aimerais le garder. Ils ont quand même des frères d'armes un peu montés. À mon avis, il va nous les vendre là. Malgré les frères d'armes un peu montés. On va vérifier quand même un peu. Regardez déjà juste dans la caserne. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? 172, ouais, je sais pas. C'est quoi là? C'est quoi ce filtre? Membre d'équipage, afficher les membres d'équipage, afficher les recrues. Ça, on doit en avoir quelques. Ouais, ceux-là par exemple. Ouais, ceux-là, je m'en fous encore. 50 B, tout ça. Je sais pas, on va voir, on va tester, on va voir ce qui nous vend et ce qui ne nous vend pas. 83 membres d'équipage à congédier, vas-y, congédier. Délivré de toutes les sortes, livre d'entraînement, x 32, très bien. Qu'est-ce qui nous reste du coup? Qu'est-ce qui nous a gardé? Puis 43, le 50B nous l'a gardé par exemple. Lui, on peut le congédier, qu'est-ce que ça dit? On peut le congédier contre livré? Non. Apparemment non. Ok, il nous a gardé quand même ceux qui étaient à plus de 100% apparemment. Je sais pas trop comment il a trié là pour le coup. Super Chaffee 83%. 83% de quoi? De la compétence 0? Je ne sais pas. Compliqué un peu le truc là. Je comprends pas trop. Nicker Max. Bon, j'ai pas trop compris. Normalement, on a regardé les recrues, ça c'est sûr. Tous ceux-là, là. Ça c'est sûr qu'on les a gardés. Je ne sais pas, on verra bien si on a perdu des gens importants ou pas dans l'aventure. Après, voilà. TL7, apparemment, on a des compétences à mettre que je viens de voir là dans la caserne. Vas-y, on va les mettre. Est-ce qu'on a, on a réparation? Oui, merveilleux. Peut-être mettre œil de l'aigle, vite fait. Peut-être camo aussi, ça peut être important. Là, on va le mettre. Non, là, on va mettre réparation en vrai. C'est quand même un TD, c'est important de réparer. Là, par contre, réparation. Non, je vais y arriver. Dissimulation, voilà. Camo. Et on est parti pour le jouer, le petit TL7 là, tant qu'on y est, je voulais le jouer justement, j'ai mis l'équipage dedans juste avant. On est parti les amis. TL7 d'or. Qu'est-ce qu'il raconte? Bon alors, on est là sur Berlay, ça va être compliqué, il y a du tier 10. On va claquer quand même des réserves pognon pognon. Vas-y, on va claquer ça, on n'a pas fini les améliorations terrain là-dessus, on va claquer tous des gros là, tous des gros trucs. On s'en fout, on en a plein. Du coup, ouais, normalement on a gagné des livrets pour aller voir ça si on a sur des chars à mettre là. Peut-être le 7R ou l'autre petit, le petit Senlac là. Je sais bien que eux ils ont pas des super équipages. Le 7R peut-être que oui, mais le Senlac non. Je garde les deux équipages. Je sais bien que c'est un premium et que je peux mettre l'un dans l'autre, mais. Je vais garder le Gessor Tier 9 Light et le Manticore, à mon avis, sur ce compte quand je les aurai. Là, j'en suis qu'au 7R, comme vous avez compris. Donc voilà, l'Arty, ce serait bien que tu me laisses une petite place au fond de ton cœur. Merci. La vieille chanson. Voilà. Pour ceux qui connaissent, c'est vieux, c'est moche. C'est lavé avec Myrlène. Ça aussi, c'est vieux. Alors, très bien, type 61 là-bas, dans la Pampa. Vas-y, on va essayer de se mettre à la position des TD là, de l'autre côté du Bush, du Skoda. Vas-y, on a rechargé. On a assez de peine normalement avec ça. On est à combien? 252. Oui, c'est pas dégueu. C'est pas exceptionnel non plus pour un tir 9, mais surtout pour un TD en vrai. Il y a des TD qui ont bien plus que ça. TVP là-bas, dans son petit truc. Vas-y, est-ce qu'il la traque l'autre là? Non, apparemment non. Il recule parce qu'il était peut-être spot STRV là-bas. Le TVP, c'est type 61. Là, non, là, on ne l'a pas. Faut pas prendre trop de risques non plus. TVP qui est revenu. Non, il n'est pas revenu. Vas-y, on va essayer de asmater le Bush là-bas. À mon avis, il se gêne là, avec Lolo, le STRV. Je suis pas spot. Merveilleux. On va retirer, du coup. On va retirer là. On tire là aussi. Attention, quand même, là, on peut être spot tout à coup. Peut-être ici, TVP. Vas-y, c'est parti. On verra bien. Ah, non. Ah, peut-être il l'a pris. Non, je pense pas. Non, je pense pas. Il avait déjà été entamé avant. Pas sûr qu'on ait touché quoi que ce soit là, mais il faut tenter des blinds là sur cette map. Il y a des bushs ultra connus à chaque fois là, où les gens vont se jeter dessus toujours là. STRV, vas-y, avance un peu. Le Foch aussi, le T30, il est là au fond. Attention à la ville, j'ai l'impression qu'ils sont un peu agressifs. Non, ça va. Ils sont en train de me faire piou-piou là d'une fenêtre à l'autre.
Ok, Ludes, là, le 907, il devrait faire son café normalement. Ah, lui, le petit, oh, dommage, on est en reload, on ne le voit pas, il faudrait du spot, il faudrait du spot, dommage, là, il est dans la pampa, là, complet, le petit STRV, et on ne l'a pas, malheureusement. Ah, très bien, Tessor LT là-bas, merveilleux. Alors, on va tirer là, des fois c'est rouge le Tessor, mais ça rentre, là, je le rate, dommage, royal, il m'a même pas spot, merveilleux. Ah, si, quand même, j'allais dire, alors attention à l'Arta, là, attention à l'Arti. Elles aiment bien tirer ici les artis. Alors le Tessor, il a tiré à mon avis pour qu'il soit spot là-bas. On va essayer de le respot. S'il traverse là, je devrais le voir. S'il se remet dans le bush, s'il veut se remettre dans le bush. À moins que, pas sûr quand même. STRV là, il va peut-être faire le café là de ce côté. Je sais pas, il n'y a que le standard B qui protège le 907. Ça va être chaud là, le floor, le type chasseur, il essaye de nous circle là. On ne l'a pas, c'est sur le Tessor là-bas. Très bien, ça rentre. C'est déjà ça, très bien, la team, la FV, là, elle a fait le ménage, le Léo Patate là-bas. Vas-y, viens essayer d'asmater de ce côté, attention, il y a deux TD là-bas qui poussent. Le T30, je sais pas où il est, attention à lui quand même. Il faut peut-être aller aider le 907, en vrai, il se prend le Foch, ça va, il a l'air de le gérer. Il a Permatrack peut-être, non, il se prend quand même des dégâts. Dommage, dommage. Ah, il prend le STRV, là j'ai la pression. Ou alors encore le Foch, il va mourir peut-être le Lolo là. Ah oui, il est mort, merde, on n'a rien pu faire. On n'a rien pu faire, les amis. Alors le Léopard là, il va se montrer, on le sort venir. Ils vont rush le standard, bien joué le standard sur le Foch ça. Allez le faire, on n'a plus de qu'un obus. Ouais, on prend l'Arty, ça c'était sûr. Non, c'est le 6 que je veux faire. Allez, je fais le 5 avec, tant qu'on y est. On essaye d'être opti. Alors le Léo Patate, viens seulement mon gros, viens seulement. Alors la ville s'est perdue gentiment, là j'ai la pression. Ils se font déborder de partout, c'est à nous de pousser là. C'est à nous de pousser le flanc gauche, mais je vais pas y aller tout seul. Si tout le monde se dit ça, vous allez me dire personne n'y va là-bas. Non, le type 61, allez le Léo là, viens seulement. Viens attaquer, viens attaquer. Le type 61, non. Le Léo là, il va traverser là, vous allez voir. C'est sûr, ah là le STRV était intéressant, il va blind mon bush lui, c'est sûr. Un blind mon bush, le lolo. Oh bien ça, beau, beau. Ah, j'ai pas pris la 6, dommage. J'ai pas pris le spot, elle se faisait son propre spot, l'ami FV. Léopard ici, je suis spoté, tiens, intéressant. Je sais pas qui m'a spoté. J'étais pourtant bien dans mon bush. Léopard, je le loupe, dommage. Il y a le petit gun lui, ok. Il y a le petit gun qui met du 220, 240, là, je ne sais plus. Qui m'a spoté là, j'aimerais savoir. Ouais, il faudrait aller aider la ville. Le standard, il y est allé. Ouais, mais faut pas que tout le monde se barre non plus là. Sinon, ça va être la galère. Je sais pas qui m'a spoté. Je suis peut-être même encore spot. Faudrait le rusher lui. Le Skoda, est-ce qu'on y va? On va lui dire j'ai besoin d'aide la ville. Elle va pas bouger à mon avis à tous les coups. Ah, Léo Patate là-haut. Est-ce que je sais même pas si je suis encore spot. Je sais pas qui m'a spot. Vas-y, en route pour vous soutenir. Ben, viens me soutenir alors. Et seulement me soutenir, attention à pas prendre le T30 là-bas, il y a encore l'UDES qui zone. Ok, la ville, je sais pas trop ce que ça dit, ce que ça dit pas. Alors vas-y, on va attaquer ici. J'espère que l'UDES s'est barré là. Parce que si je me prends les deux, ça va pas être drôle. Le Léo Patate et le UDES. Alors ici, Léo Patate, il est parti, il est en train d'aller de l'autre côté. Non, il est là-bas. Très bien. Oh non, je le bounce. Oh vas-y, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit, j'ai pas le droit. J'espère que le Skoda va débarquer là. Ouais, très bien, il est là. Vas-y, finis-le. Bien joué, mon ami. Bien joué, mon petit. Attention au T30. Hop, hop, hop. 1700 dégâts, c'est pas foufou. Il reste le T30 là-bas planqué. On a besoin de toi, le 13, pour aller spotter là. Je vais peut-être me mettre là derrière. J'ai pas envie de prendre l'UDES gratos non plus là pour le coup. J'ai pas envie de prendre les artis. Je sais pas qui m'avait spot dans le bush là, c'était étonnant. Est-ce que c'était le Léo qui avait le CVS peut-être? Ça se peut, le Skoda, vas-y, c'est à toi d'y aller maintenant cette fois-ci. Mon Lolo, T30, il dit qu'il est où? Attention à H3. Très bien, très bien. Ben, vas-y, on va attaquer en H3 alors. De toute façon, j'ai pas envie de la prendre. Il est là-bas en effet. Alors où est-ce qu'il est? Il est là. Ok, je les traque. Je retraque, merveilleux, je le finis. Non, ça va, quelqu'un l'a fini. Vas-y, je vais recharger là, je vais recharger avant d'attaquer le reste. Ah merde, c'est perdu l'autre côté. Il faudrait peut-être aller caper. Attention à l'artillerie, on va attendre de plus être spot. Il y a encore l'UDES qui zone. Non, l'UDES il est parti en ville. Très bien, est-ce qu'on va caper là? Vas-y, on va essayer de caper peut-être. Le ninja, la win là, ils sont en train de défendre de l'autre côté. Capturer la base, oui, t'es mignon. Ben, c'est moi qui dis ça. Il est con lui. Ah, putain. Ça mérite d'être sur YouTube, même si je fais une game de merde.
Je perds la boule là, vraiment. Je perds la boule dans ce jeu finalement. Alors là-bas, Ludes, on n'a pas rechargé malheureusement. Viens te montrer là. Attention, il va me voir lui. Peut-être me essayer de me la coller. On va essayer de pas être trop visible. Je suis con moi ou quoi? Je dis capturer la base. Je dis t'es mignon. Comme si c'était je sais pas qui le disait. Il s'en va, Ludes. Très bien. On va peut-être pouvoir les finir malgré tout. Attention à pas prendre l'Arta. Attention à pas être spoté. Spotazione. Spotazione. La boule des fois là, je suis trop concentré dans ma game, du coup je dis n'importe quoi, désolé pour le stream du coup. Alors ici on va se mettre ici dans les petits bush qui vont bien, et on va attendre une erreur de l'Udes. Peut-être, merde, j'ai fait tomber un arbre, c'était moche. Alors très bien, Udes là-bas, il en prend une, dommage que j'ai pas mis le feu. Il a dû me spot. Oui, attention à l'arty, attention au T110-5 et au 752, je sais pas où ils sont. Très bien, elle nettoie le 752 justement. L'arty, dommage, elle a raté l'Udes. Vas-y, on va essayer d'aller le finir. Ensuite, je rechargerai peut-être un petit clé pour eux, tout simplement. Attention au T110-5, j'ai un peu peur. Lui, il est juste là, normalement. Il n'a pas pu s'enfuir nulle part, là. Là, il y a de l'eau. Vas-y, on va le finir, lui. Merde, il me la colle. C'est pas grave. Très bien, il est mort. On va recharger. Attention à l'arty. Attention au T110-5, je vais prendre l'arty, c'est sûr. Prendre l'arty, ouais, c'était sûr. Alors, on va user la trousse à nouveau. Normalement, je suis plus spot lane. Il y en a une qui vient de tirer. Très bien, elle était par là-bas, quelque part par là. Ça, c'était drôle quand même. T'es mignon, toi, que je me dis à moi-même, je suis mignon. Très bien. On va chercher les artis là, simplement. Le T110-5, je sais pas où il est. J'espère qu'il n'est pas back sur nous. J'ai pas rechargé, ça, c'est un peu moche. Par contre, si je trouve une artie, très bien, j'en ai trouvé une. Attention, elle m'attend. Elle me vise. J'ai pas rechargé, c'est moche. Ouah, elle me loupe, elle me fait les fesses, vas-y. Elle est morte, l'hôtel m'a loupé, j'ai la pression. Allez, allez, tue-moi ça, Benito. Eh bien, l'autre, elle est juste là, juste au ciel, elle s'enfuit là-bas. Eh bien, elle vient de reprendre une, je peux peut-être faire Pascucci, c'était pas une partie dégueulasse là, 3500. Je sais pas où elle t'est sortie ce sac, il est peut-être en train de m'attendre quelque part. J'ai pris quand même la foudre là de l'arty. Le E5, où est-ce qu'il est, le lapin? Moi, j'arrive là comme une fleur là. Normalement c'est gagné, mais bon, je sais pas, il doit être entamé, j'espère, le sac. C'était rigolo ça quand même, je trouve. Alors très bien, il est là-bas, on va essayer de le prendre par le pont. Le pont-pont d'Avignon. On a été mignon, on n'a pas capturé la base. Qu'est-ce que c'est que ce streamer à 2 francs là? Il se contredit lui-même en 5 secondes. Mémoire de poisson rouge là, pour la mémoire à court terme, là on repassera, clairement. On m'invite dans un pelo, j'ai fait que 2 kills, mon ami. Je sais pas pourquoi tu m'invites. C'est qui m'invite? C'est l'IS7. Il est encore là, lui. Depuis le temps. Alors là, on est Keblo. Ah, le standard B, là, décidément, celui-là. Ah ouais, saleté de pont, là, l'américaine, là. Ok, très bien. Alors, où est-ce qu'il est barré? Normalement, on a 2 obus pour l'achever. Ça va le faire, on y croit. Ils n'osent pas y aller, là, le STRV et compagnie. T110-SEC, il est là. Vas-y, je vais lui faire le cul, là, je le sens. La V, elle va faire boum, boum, boum dans son petit cœur, moi sur le floor, là. Très bien, dans son cul. Très bien, merveilleux. 3 petits kills. On peut faire un peu dynamique, là. Vas-y, on invite les deux. Skoda, accepte. Non, trop tard, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, 3600 dégâts, 3 kills, c'est quand même propre. Voilà. Normalement, j'ai fait ma mission du jour. Je pense, je sais pas ce que c'était la mission du jour. Je veux dire de. Faudrait que je vous montre ça aussi. Alors là, je me suis tué tout seul. 225 000 crédits, c'est très bien, merveilleux. Ça commence bien. Top XP, deuxième au dégâts. 10 000 XP. Est-ce qu'on. Non, on n'a pas fini les améliorations de terrain, je crois, là-dessus. Il nous en manque une. Il nous manque 6 000 XP environ, 5 300 environ. Ici, je voulais vous montrer vite fait. Bon, l'autre il a pas joué du tout le pelo, c'est pas grave. Voilà, ici ça, obtenir la récompense. J'ai fait la mission, alors détruire 2 véhicules ennemis en une bataille. Voilà, c'était ma première bataille et c'est réussi. Et maintenant, il faut faire 5 000 points de structure. Je voulais vous expliquer ça en 2-2. Si vous ne le savez pas, c'est en pelo sur une seule bataille, il faut le faire 2 fois, donc ça veut dire sur 2 batailles en fait. Mais à chaque bataille, pour réussir la mission, il faut faire 5 000 avec votre pelo. Donc, l'explication gratuite là, c'est par exemple, vous êtes en pelot à 2, il y en a, il fait 2 500 dégâts, l'autre il fait 3 000, ben voilà, vous avez fait la mission, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ou alors, si vous faites 5 100 et que l'autre, enfin même 5 000, hein, 5 000 tourons, ça marche aussi, mais bon, c'est pour dire vraiment
une petite marche, quoi. Si vous faites 5000 et votre collègue fait 0, ça marche aussi. Ça marche aussi. Il faut faire 5000 avec le pelot. Là, par exemple, c'est quoi? 1600 points d'XP de base. Bah, si vous faites, il faut faire des wins, là, par contre, hein, parce que des, ou alors des grosses défaites, mais tous les deux bien tapés en défaite, quoi, ou tous les trois. Mais sinon, vous faites une win, vous faites... je sais pas moi, vous faites 1000 XP et votre collègue il fait 800 XP de base, quoi. Ben c'est bon, c'est réussi. C'est pour ça que c'est un peu low, quoi. Après, je pense que ça doit marcher tout seul. Connaissant un peu Wargaming, ça doit marcher tout seul. Ils disent quand même un peu low là, mais en vrai, je pense que si vous faites 5000 dégâts tout seul, je pense que ça vous le compte, même si vous n'êtes pas un peu low du tout. Par contre, les pelots dynamiques, ça marche, mais à partir de la deuxième bataille, je crois. Avec des gens lambda, quoi, que vous groupez en bataille. Ça marche pas sur la bataille où vous les groupez, mais si après ils restent dans votre pelot, ça fonctionne. C'est, on a testé hier avec mon commandant, là, mon commandant Kayara. Voilà, pour le citer. Il me regarde pas, mais bon, il s'en fout de mes vidéos, mais bon, voilà. c'est juste pour dire, quoi. Voilà. En gros, c'était ça, la petite explication là-dessus. J'espère que ça vous a plu. On a fait tout, là, on a fait le tour. On a fait le tour de la mise à jour, on a fait les TD les derniers jours, les TD polonais, on a fait le tour de la caserne, on n'a plus rien à congédier. Qu'est-ce que ça dit, ça? Non, ils ont trop de compétences pour être congédiés comme ça. J'ai hâte de voir sur mon autre compte. Là, eux, je n'ai pas compris pourquoi ils sont pas congédiés. 83%, peut-être parce qu'ils sont dans les chars. Ouais, ils sont dans les chars, c'est peut-être ça. En fait, ok, très bien. Voilà, voilà les petites explications. Et on a fait le tour des trucs de clan, là, des nouvelles, comment ça s'appelle, je ne sais déjà plus. Mission de service, période de service. Et là, vous avez à gagner. Au final, vous voyez, là, vous ramassez des points. Je vous explique encore deux secondes. Vous ramassez des petites jumelles, 50, 75. Ça, j'en ai 200, là, pour l'instant. On peut voir qu'avec 200, je crois que je peux débloquer, d'ailleurs, un truc, là, montre. Débloquer, oui, je peux débloquer le niveau 1. Donc j'explore la région, je vais gagner 150 000 crédits des directives, je crois que ça s'appelle encore comme ça, bref, je ne sais plus. On explore la région, voilà, on gagne 150 000 pièces, ça c'est fait. Et maintenant, la mission 2, c'est 350 petites jumelles, petites écussons de jumelles. Là, il y aura un machin comme ça, expérimental à gagner, des directives encore d'équipement, voilà, on les voit là. Et au final, quand vous aurez fait ça dans toutes les missions là, bon là après ce sera plus long, apparemment Kaya, là mon commandant, voilà là on voit que c'est 650 points, là c'est combien, 900, très bien, très bien, et là on ne sait pas, c'est un peu exponentiel quoi, du coup, voilà voilà quoi, ça va prendre peut-être 2-3 mois d'y arriver en faisant toutes les missions tous les jours, après n'hésitez pas à jouer au pelo, ou alors il y a aussi la solution, je ne vous ai pas dit ça, vous gagnez une bataille au détachement. Donc à mon avis, vous gagnez deux batailles au détachement, ben, vous ramassez les 50 points. N'oubliez pas de collecter vos récompenses. Vous allez chaque fois dans le clan, mission de service. Vous collectez vos récompenses, comme ça vous passez à la mission suivante. Vous faites deux batailles au détachement de victoire. Vous allez collecter, après avoir fait votre FFA là, tout seul, à la limite, la journée. Le soir, vous partez au détachement avec votre clan. Vous allez collecter, vous faites la troisième, vous faites votre mission, gagner trois fois des batailles au détachement. Voilà, quand vous avez fait les trois fois, vous allez collecter, et le lendemain, vous êtes reparti. Tout ça pendant 3 mois, à mon avis, quelque chose comme ça, de 2 à 4 mois, à mon avis, grosso modo. Et là, à la fin, vous aurez simplement, désolé, je me gratte la tête en play live, c'est pas grave, le carreau 45. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Non, j'ai pas des poux, j'ai les cheveux trop courts pour avoir des poux. Voilà. Par contre, qu'est-ce que c'était la bête vanne là? Ah oui, il est mignon celui-là. On va retenir ça. N'hésitez pas à me charrier avec ça. C'était n'importe quoi ça. Là, j'ai pas compris ce que j'ai dit moi-même. Bref, alors à la prochaine. J'espère que ça vous a plu. Si vous pouvez liker, on essaie de mettre un peu d'humour dans tout ce monde de brut. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et je vous dis un bon jeu et une bonne journée. Ciao, ciao. N'hésitez pas à bien jouer. Faites les choses bien. Ciao, ciao. Appliquez-vous sur chaque bataille. Petit conseil si vous voulez voir vos stats monter en flèche. Ciao, ciao. À la prochaine.